Hey, salut à tous les amis, c'est Amy. On se retrouve aujourd'hui sur All in Assault, Company of Heroes 2, pour la suite de notre campagne. Alors, me voilà un petit peu dans un... Un petit dilemme. Alors, là, j'aurais moyen d'avoir... en attaquant ici, j'aurais moyen d'avoir les véhicules utilitaires M20, ce qui serait vraiment sympa. Sachant qu'ici, voilà, en gros, en face de moi, j'ai grenadier d'assaut, pas cool du tout. Ça veut dire Panzerschreck, ça veut dire oula. Tireur d'élite, ça veut dire attention, pas cool du tout. Et force ennemie normale. Après, vétéran et blindé lourd, c'est pas non plus une bonne chose. Et bunker, mine et soutien d'artillerie, c'est encore moins une bonne chose. Sachant qu'en plus, les deux territoires, ils sont qu'à une étoile. Donc en prenant ça, j'ai rajouté une étoile ici et une étoile ici. Mais globalement, je ne laisserai pas l'ennemi se renforcer. Après, si je prends 6 ailes et que je passe ensuite ici... Je pourrais essayer de prendre 6 ailes et passer là. Ça ferait 1, 2... 3... Non, ce serait trop tard. Il faut absolument que je parte directement sur l'IR pour avoir les, mes bonus. Donc, on va... J'ai pas beaucoup de points de réquisition en plus. On va améliorer ça. Plus 100 effectifs, c'est beaucoup quand même. Je préfère pour l'instant me concentrer sur l'amélioration de mes... Là, on va baisser leur prix. Il m'en reste 20. Efficace contre tous les blindages. Non, je n'en ai pas forcément besoin maintenant. Faire réponse rapide, conserver et baisse de coût, conserver. Il reste 5 points de réquisition. On va partir, hop là. La compagnie Dog, on va la mettre ici. Après, force d'amant en train de préparer une embuscade. Rendre vétéran plus 10. Ouais! Pas mal. Donc là, ils sont... Ah, ça, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est des petits événements aléatoires. Je pense qu'ensuite, avec la compagnie Dog, on fera Vielsam et Stomon. Pour comme ça, on aura ici, voilà, un tour. Ah, merde! Merde! Ah, je me suis foiré, j'ai déplacé mes troupes et j'ai perdu mon véhicule utilitaire M20. Non! Ah, les tours, c'est les déplacements! C'est chiant. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça m'énerve. Bon, bah tant pis. On va quand même attaquer. Allez, on attaque quand même. On verra bien. C'est une escarmouche. On verra bien comment ça se passe. Je suis un peu deg pour les M20. Ça aurait été une bonne... C'est vraiment des véhicules que j'aime bien, en plus ils ont des gens en t-shirt à l'intérieur, et c'est vraiment intéressant de les avoir. Tant pis. Écoutez, on a 60 secondes pour se regrouper. Voilà comment ça va se passer. Il faut qu'on arrose l'Oberkommando Ouest le temps que d'autres unités attaquent les zones d'opération adjacentes. Je compte sur vous. On y va. Les Allemands occupent déjà les positions clés. Alors attendez-vous rapidement à une résistance chevronnée. Une résistance chevronnée. Faites attention aux mortiers! Moi, mon but, c'est d'aller vite désinguer les mortiers. Allez, hop. Les mortiers, allez, tire-moi ta grenade.
va rester en mouvement pour essayer de détruire les mortiers. Allez, on s'occupe des mortiers. Voilà. Hop, mon but c'est d'aller vite, être efficace, faire venir une ambulance, les mortiers qui sont morts, c'est parfait. Hop, Thompson. Hop, ça ici c'est bon. Ça va venir une mitrailleuse. Je vais bien récupérer le mortier. On va pas les laisser prendre nos points tactiques. Ça c'est mort de chez mort. Non, notre voie de ravitaillement elle va pas être coupée du tout. Mitrailleuse lourde. Va venir ici. Ah, du coup, j'ai plus d'échelon arrière. Hop là, échelon arrière. Globalement, mes paras. Ouais, nos 180. Les paras à 280, c'est vraiment sympa. Hein. Hop là, les échelons arrière. Ils vont venir se mettre. Ici. J'aimerais bien construire position de défense ici. Allez. Globalement, faut qu'on se dépêche parce que on perd des renforts rapidement. Voilà, hop là. Mettre les mortiers ici. On va avancer avec ça. Parce que là, on perd. Hop là. On avance. Il y a des mortiers là-bas. On approche. Donnez-leur des ordres. Ah là 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 là, c'est chaud. On va se replier. Ah non, les poteaux vont se faire avoir, non. Ils sont à 200 points. Allez, moi je veux me faire ce... Ok, on se replie, c'est la grosse merde. Hop là. Il nous faut de l'anti-char, très vite. C'est chaud. On est à combien là? Oh là, la force de la compagnie, elle est pas bienveillante. Hein.
Merci pour l'aide, officier. Un point de capture est envahi. Tenez-vous prêts, les gars. Canon anti-char prêt. Section parée. Attention, Bosch en approche. Ouais, bah Bosch en approche. Fais ce qu'on peut, cher ami. Hein. Allez. On dirait qu'il va falloir y aller. Parachutiste paré à l'action. Nous avançons dans les lignes ennemies. Ah, on sait par là. Les hommes, les troupes se regroupent. Et par ici. Nous perdons un point de capture. Non, 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 on perd rien du tout. C'est chaud. Préparez-vous au déplacement. Les roches s'emparent de l'impulsion. En avant. Allez à l'action. Soyez prêts à l'action. Tout le monde se reforme, s'il vous plaît. Allez, 100 points aux forces ennemies, on a qu'à tenir. On se fait plomber. On dirait que le bataillon a plus de cadeaux pour nous. Où est-ce que vous les voulez? Perdons un point de capture. Infanterie ennemie. Préparez-vous au bord. Envoyez un tir de suppression sur... Allez. Ah, ça fait mal, c'est flak. Allez, on se replie. C'est l'heure de s'y mettre. Allez. Par ici, par ici. Position de combat est sous des tirs. Il ne leur reste plus que 75 points. Prendre un Stuart. Soyez prêts à l'action, les avançons en territoire Bosch. Allez. Vous avez reçu vos ordres. On vient de me donner des instructions. 1, 2, 3. Allez, tire! Un point de capture est attaqué. Hop là! Non, mais... Oh putain, chaud! Allez. Vous voulez de l'explosion? Les pétards sont prêts avec des roquettes. Un point de capture est envahi. Allez, on y va. Ça a marché. Ah, je peux pas le faire si j'ai pas la visibilité. Toi là-bas. Nous perdons un point de capture. Allez, je me tente un truc un peu risqué. Attention dans les airs. Para, on approche. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Soixante de points à l'ennemi. Écoutez, écoutez,
Allez, on le détruit lui. Hop. Ah, il y a un Panzer Shrek ici. Merde! Chat, j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu ma... perdu ma ambulance en plus. C'est génial. C'est parti, fou, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Évidemment. Allez, allez. On va essuyer beaucoup de pertes. Mais il faut pas qu'on laisse tomber. On va devoir reprendre l'avantage. Mais ils s'arrêtent jamais, eux. Allez, allez, allez. Allez, bougez-vous. Merde, pied au plancher. Par ici, soldats. Écoutez, ils savent qu'on est là maintenant. Tous les assauts sont à notre avantage grâce à vous, les gars. Ouais. Vous faites vraiment du bon boulot. Ça nous a coûté cher, hein. Ça nous a coûté cher. On a combien de force? Ah là là, on a perdu beaucoup, 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 beaucoup. Ce fut chaud, ce fut chaud, ce fut chaud. L'IA m'attire bien la pression, c'est assez intéressant. Ah, moins 16. Fou. Chaud, 72. Oh là là. Cet avelo, ça en fait un... Half track flak. Ça en fait un sacré... Non, on devait avoir un véhicule de commandement ennemi mieux protégé. On devait pas avoir un nombre de véhicules de commandement rassemblés à la SMIR sur mon palais de conscience de notre présence. Ainsi, nous avons célèbre pour frapper fort. Une embuscade réussie s'y perturberait la chaîne de commandement ennemi et réduirait la coordination de l'officine d'Indane. Ok. Bon. Je pense que l'idée, ça va être là d'aller prendre Oufalise. Un déplacement régent restreint par des pièges anti-chars. Parce que là, globalement, on est. Avec cette compagnie-là, on est à 94. Là, on est à 94. Je vais leur laisser du temps pour ce. On va aller prendre Oufalise. Comme ça, on isolera Bastion, Outskirt et Ciel. On pourra descendre sur Ciel et sécuriser tout ce passage-là, ensuite remonter sur Espelère et sécuriser, voilà, faire
bloqué en tout cas, tout comme ça ici avec le territoire, bloqué entre ça et ce qui se passe ici. Alors après, voilà, ça nous promet des batailles assez impressionnantes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette campagne continue de vous plaire, et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!